mardi 23 août, à Bandol. Une journée qui commence un petit peu comme on les aime. Beaucoup de soleil, il fait trop chaud. Un peu de vent, une mer d'huile. Quelques demi-heures déjà dans l'eau. De la température de l'eau. Nous allons aujourd'hui accompagner un moment les enfants du CCAS qui vont aller faire une balade en mer à l'initiative de Kiwani de Sanary et de Jean-Charles Julien qui s'est proposé de leur offrir cette sortie. Donc nous avons rendez-vous devant la casino de Bandol dans quelques minutes. Monsieur, ça y est, ça finit, c'est parti. Bonjour. 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 Aujourd'hui, le 23 août, nous sommes devant le CCAS. CCAS qui veut dire. Quelqu'un peut m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire, le CCAS? Centre communal d'action sociale. Centre communal d'action sociale. Merci, Martine. Nous sommes ici donc à l'initiative des Kiwani Sanary Bandol. Voilà, Bandol Sanary. Et de monsieur Jean-Charles Julien. Donc, si vous pouvez vous présenter, donc Jean-Charles Julien, monsieur Jean-Charles Julien. Vous bon, êtes à l'origine de cette petite... Oui, mais écoutez, moi j'ai un de mes amis qui est propriétaire de la goélette et qui fait des promenades en mer avec des repas, et dont j'ai souhaité faire profiter tout le temps que je pouvais quelques jeunes quelques sous l'égide de la municipalité avec le concours du CCAS et du Kiwanis. D'accord. Voilà. Kiwanis, Bandol, Sanary. Voilà. Donc, après, le but que j'ai recherché. Marc Asculero, trésorier du club. D'accord. J'ai profité sur l'occasion de M. Jean-Charles Julien qui nous a proposé donc, cette goélette. Et avec mes amis du bureau, M. Fleurichat et M. Vianney. J'ai donc organisé cette manifestation, cette sortie en mer. Nous allons donc nous rendre sur la Ciotat. À la Ciotat, donc voilà. ça va concerner combien d'enfants? Il y a 7 enfants. 7 enfants sur un bateau, donc sur un bateau. Un voilier, c'est un voilier de 18 mètres. 18 mètres. Il s'appelle le Cap des Palmes. Cap des Palmes, je connais tout bien, c'est Pierre, voilà. Pierre Chambenois. Voilà. Exactement, voilà. Ça lui fait un petit peu de publicité. Exactement, ça lui fait de la pub, il en a besoin. Et, bah écoutez, le départ est prévu à quelle heure? À 10h. À 10h, et c'est donc à l'embarcadère ou à l'embarcadère, bien sûr, et nous rentrons vers les 18h. D'accord. Monsieur le Président, vous vouliez nous dire un peu? Voilà, bah, moi donc, je me présente Vianney Basse, président du Kiwanis Bandol Sanary. Donc on est très très heureux, grâce à Jean-Charles Julien, de pouvoir amener ces 7 enfants qui n'ont malheureusement pas la chance et le bonheur de pouvoir partir en vacances ou même de connaître la mer. Donc c'était un partenariat avec M. Julien qui était très intéressant pour ses enfants, qu'on aurait eu du mal, nous, à assumer tout seul. Ils ont la chance, ces enfants, de partir sur une goélette, donc une goélette de 18 mètres, comme vous disiez, Marc Escudero. Une goélette qui est en plus un vieux gréement, qui va être à notre disposition toute la journée. On va pouvoir s'arrêter dans les petites calanques de l'île Verte, au pied du Bec de l'Aigle, dans la calanque de Figuerolles, pour des baignades. Et on a aussi une autre chance aujourd'hui, le temps est splendide. Voilà, c'est ce que je regardais tout à l'heure, il y a une mer d'huile, il n'y a pas trop de vent, j'espère qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de vent, donc c'est pour ça, au départ, on avait prévu d'aller vers les calanques, mais on sait que matériellement, nous n'aurons pas le temps. On va préférer un aller-retour par manque de vent. Le départ, donc, 10h 10h, retour 18h. Retour 18h. Avec, accompagné d'un pique-nique, à bord du bateau, de boissons, de tas de choses. Enfin, on espère festif pour ces enfants. Écoutez, c'est parfait. Et puis, bon, j'irai tout à l'heure au départ et puis éventuellement à l'arrivée. Merci pour votre... Merci. 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 Ça va bien, c'est ma sœur. Martine, oui. Ta fille, non? Pardon. Recule un peu, un petit peu. Non, non, hop, attention. Oui. Ah, non, 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 ça va et toi? Il manque qui là? C'est gentil d'être venu. Attention, Jean-Charles. Robin, c'est pas grave.
Cheese, les gars. On sourit ? Oui, on sourit. Le truc classique, en reculant. Reculez, reculez. Reculez. Oh, reculez. Oh, moi, oh, bien, bien, Marc. Ah, ah. Si, elle n'est pas. Il n'y a pas de légende, là. Voilà. Voilà. Vas-y, Gérald. Ça va, comme ça. Ceux qui viennent, qui se cachent. Par contre, là. Voilà. Vous avez vu. Bien, bien, décalons. On va rouler, là. C'est le seul cas, là. Des pannes de cheeseburger. Voilà, cheese. Ils peuvent se présenter, bon, tous ces enfants là, leur prénom. Anaël. Comment? Anaël. Anaël. Ambre. Amandine. Pauline. Moi, Damien. Damien. L'animateur. C'est ça. Et Robin. Et Romain, d'accord. Robin, Robin. Ouais. D'accord. Bonjour, tout le monde. Bonne balade. Alors. Une photo. Et qui? Ah oui, bien. Ouais. Nouvelle Miss Bandol. Oui, oh, c'est la Miss Bandol, oui. C'est comme dans les films, ils montent au truc. Je vais mettre l'échelle de bain, elle est là juste à la porte, alors elle rentre juste de ça dans le pont. On essaye de ne pas trop chaluter sur l'échelle parce qu'il faut sortir, couler, aller la chercher. Vous avez une douche de pont là-bas pour vous rincer. On essaye surtout de ne pas trop courir sur le pont parce que quand il est mouillé, ça glisse, parce que ça vous fait mal. Tout ça, c'est pour votre bien, je veux dire. Bon, après, vous êtes assez grand, vous ne jouez pas à cache-cache. Non. Non. Non, mais c'est arrivé, il ne faut pas rire, c'est arrivé. C'est dramatique parce que le gamin, il est parti se cacher en dessous et on l'appelait, il ne répondait pas. Il avait laissé son gilet en plus là dans le cockpit, donc tout le monde le cherchait. Et comme il ne répondait pas, on a imaginé le pire. Il y avait sa mère, elle est partie en dépression. Bon, allez. Il faut peut-être s'insérer à la madrage, je pense. On verra. Si vraiment le temps change et que ça nous plaît, on montera jusqu'à la seconde. Vous connaissez la région, je vous avec les enfants. Vous voulez, vous? Il y a une porte, Jean-Charles. J'ai fait une porte. Jean-Charles. Je sais pas, on connaît pas tout le monde. Encore les photos, mais jamais. Vous savez prendre les photos. Une star. Derrière Jean-Charles. Oui, mais alors attends, là, quand je monte là, vas-y, monte par la porte. Allez, regarde, 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 regarde. J'ai un montant de talon aiguille. Pas toi, tu filmes. Voilà. Dis-lui de continuer, hein, parce que comme ça, il meurt plus vite et on s'en débarrasse plus vite. Cheese. Allez, celui qui fait le plus beau cheese.
vous n'êtes pas noyé? Non, ça va. On voulait partir sur la mer. Vous vous êtes baigné? Racontez-moi un peu, vous avez fait quoi là? Vous êtes baigné? On s'est baigné, on a mangé sur le bateau. Vous avez mangé sur le bateau? Ouais. C'était bon ce qu'il a fait, Pierre? Ah, c'était excellent. C'était quoi? Du jambon cru et du melon. Ah, du melon? Ouais. Et puis des crevettes. Ah oui? Voilà. Il y avait un dessert? Et des fruits, framboises et ananas. Super. Ça vous a plu? Ouais. Vous reviendrez? Oui. C'était très très bien, très très bien. C'était. C'est un beau bateau. C'est un beau bateau. Les enfants ont été ravis. Pierre a sorti un paddle, là, les trucs où ils se baladent à pied, enfin sur eux. Donc ça, c'était. Sur les planches, là. Ça, c'était un grand grand amusement pour eux. En plus, c'est pas évident. Ouais, bah, le... Bon, après ça, ça servait de radeau de la Méduse. Ils étaient tous dessus. Mais bon. Ouais, très belle sortie là, vraiment.